nouvelle vidéo, une petite vidéo un peu spéciale, pas habituelle. En fait, lors d'une discussion sur un groupe Facebook, Bois de récup et palette, que je vous invite à rejoindre, on a parlé rapidement de matériel de bricolage de chez Action. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo avec le matériel que j'ai utilisé pendant un certain temps pour vous donner un compte rendu dans la pratique et un compte rendu réel. Parce que sur ce genre de matériel, on entend beaucoup de critiques, mais en fait, c'est souvent beaucoup de gens qui s'arrêtent au « Ah, c'est pas cher, c'est bidon » et ils n'ont pas utilisé le matériel. Donc, je vais faire un petit montage un peu spécial, parce que l'important, c'est pas de me voir moi, mais ça va être de voir les outils. Donc, j'ai essayé de faire un petit montage qui vous fasse plaisir. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que les magasins et les marques citées ne sont ni en partenaire avec moi, ni je n'ai été payé pour faire cette vidéo. C'est tout simplement en fait une envie de donner un compte rendu sur du matériel qui ne coûte pas cher, tout simplement pour faire plaisir à ma communauté et pour montrer aux gens, pour faire de jolis projets, on n'a pas besoin d'un matériel de fou, d'avoir des usines à gaz, ne pas avoir besoin d'avoir du gros matériel. Après, je tiens à dire tout simplement et rapidement aux professionnels qui verront cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous êtes un professionnel, il y a du matériel professionnel, des marques professionnelles pour tous les corps de métier, que ce soit la mécanique, l'électricité, la plomberie, peu importe, même le bois, le fer, il y a du matériel qui, certes, coûte un peu plus cher ou même beaucoup plus cher, mais qui sera mieux adapté à votre travail ou à vos projets. On va faire ça rapidement et je vais surtout vous proposer que du matériel que j'ai utilisé minimum sur une année. Ça veut dire que ça fait un an que j'ai le matériel et que je m'en sers assez régulièrement. Donc, je peux vous donner un retour transparent. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est tout simple, c'est le rapport qualité-prix. On ne peut pas demander à un outil à 2 euros, 3 euros, 5 euros, 20 euros, 30 euros de faire le même travail qu'un outil à 150 euros, 200 euros, 300 euros. On est tous d'accord sur ça et je tiens à vous le dire dès le départ. Donc on va commencer par d'abord les machines que j'ai achetées à Action. La première machine, c'est une petite disqueuse, une mini scie circulaire si vous préférez. Une mini scie circulaire, voilà tout simplement, qui a une coupe entre 1 cm et 2 cm maximum. Voilà, donc c'est une lame avec des carbures. On peut la changer, il y a d'autres marques qui font ces lames-là. Moi, j'en ai pas eu l'utilité. Pourquoi j'ai pris cette machine au lieu d'acheter plus gros, plus cher? Tout simplement, j'étais en train de refaire ma cuisine. Donc, je l'ai démonté, je l'ai transformé, j'ai acheté de nouveaux meubles, j'ai intégré de nouveaux meubles. Donc, il me fallait un outil pour pouvoir couper droit. Tout simplement. À cette époque-là, j'avais pas de scie sur table, j'avais pas de scie à onglet, j'avais rien du tout. J'avais une scie à main et je voulais un outil qui puisse me permettre de couper droit. Donc, j'ai pris cette machine-là. Elle est fournie aussi tout simplement avec une petite règle. Voilà, qui vous permet de accrocher sur le rebord de votre planche et de continuer droit. Sur du mélaminé pour une cuisine, c'est suffisant. Parce que je ne suis pas un professionnel cuisiniste. Un professionnel cuisiniste qui va poser des cuisines, qui va en poser 4 ou 5 dans sa semaine, il ne faut pas qu'il achète ça. Il va en acheter 5 par semaine. Même le nombre de cuisines qu'il va mettre, il va utiliser les machines. Donc, je l'ai utilisé. C'est sympathique. Elle me sert toujours. Elle m'a servi pour couper des volets pour couper des volets quand j'ai fait la cabane de mon fils. Donc, des volets qui font entre 3 et 4 cm d'épaisseur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'un côté, j'ai coupé sur 2 cm d'épaisseur, j'ai retourné, j'ai coupé les 4 autres cm. Et ça a marché plutôt bien. Ça fait 2 ans que je l'ai et elle fonctionne toujours aussi bien. En machine, alors tout simplement, c'est une scie sauteuse, des plus basiques, un cran de sécurité pour rentrer les lames, c'est tout ce qu'il y a, un plateau que vous pouvez incliner pour faire des coupes de travers et ainsi de suite. Ça, j'ai pas essayé, je vous l'avouerai que je l'ai utilisé simplement comme scie sauteuse traditionnelle. C'est-à-dire, je l'ai utilisé pour couper des lames de palette. Je l'ai acheté tout simplement à la base parce qu'en fait j'étais en train de refaire ma caravane et en fait il fallait que je coupe de grandes plaques de contreplaqué et découper les fenêtres à l'intérieur pour refaire tous les murs de ma caravane que je vous ferai découvrir bientôt. Donc du coup il me fallait une sauteuse pour faire ça. Je l'ai acheté 15 euros. Elle est fournie sans sac, sans boîte, sans quoi que ce soit. Vous avez la scie comme ça avec une lame à l'intérieur. Eh bien, elle a fait le travail. Après, comme je vous dis, le rapport qualité-prix, pour faire une coupe droite avec ça, c'est impossible.
Voilà, pour couper sur des petites longueurs, c'est sympa. Si vous voulez faire une coupe droite, il faut que vous mettiez des rails, des serre-joints, c'est toute une bataille. Alors que si vous achetez une scie sauteuse avec un peu plus de moyens, et vous pourrez faire des choses bien plus sympas. Il ne faut pas oublier ça, le rapport qualité-prix. On ne peut pas lui demander de faire des finitions folles, de faire un travail fou. Mais pour son prix, elle m'a dépanné. Donc, si tu as envie de te lancer, tu n'as pas beaucoup d'argent, avec 15 euros, tu te prends une petite scie sauteuse, ça te permettra de couper un peu des planches de palette, de découper quelques trucs, ça te fera pas faire des projets complètement fous, tu vas pas attaquer du chêne avec ça, tu vas pas attaquer des plateaux complets, c'est sûr et certain. Mais pour des petits projets, pour un commencement, pour t'entraîner, pour juste te faire plaisir et bricoler dans ton garage, c'est amplement suffisant. La suite, ça va être assez rapide. C'est assez rapide. En fait, tout simplement, ce sont des serre-joints. Alors, celui-là, je l'ai acheté en grande surface de bricolage, un Brico Pipo ou un Merlin Enchanteur. Et ceux de là, je les ai achetés à Action. Alors, je vous explique. C'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez voir, les points d'ancrage sont exactement les mêmes. Le manche fait la même longueur. Le pas de vis fait la même longueur. Les fers sont la même longueur. La seule différence, c'est qu'en grande surface, j'ai pas eu les caoutchoucs. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a. C'est très pratique, ça sert et ça fait son taf. Ça coûte même pas 1 euro pièce. Donc ça, vous pouvez vous faire plaisir, en prendre 5, 10 d'affilée. Je vous les conseille. Après, on est toujours sur la même chose. Il y a des serre-joints bien mieux, voilà, qui se serrent à une main ou qui sont plus grands, qui ont des meilleures presses, qui ont ainsi de suite. C'est toujours pareil, rapport qualité-prix. Celui-là, c'est, voilà, le serre à jamais. Hop là, donc il est sympa. Bon, là, il est un peu fatigué parce que, en fait, j'avais un problème avec ma piscine et donc, du coup, il a passé tout l'été dehors à tenir quelque chose. Donc, du coup, je pense qu'un peu d'huile lui fera pas de mal. C'est sympa, ça vaut 2,50 €. 2,50 €, vous pouvez voir dans toutes mes vidéos, je l'utilise. Pratiquement dans toutes mes vidéos, je l'utilise. Et donc, je peux vous faire un compte rendu. C'est sûr, il y a toujours des serre-joints d'une autre marque ou d'un autre modèle qui sont bien mieux et qui seront bien plus efficaces. Mais pour un petit bricoleur du dimanche comme moi, ou même peut-être toi qui es derrière ton écran, c'est amplement suffisant pour bloquer deux bouts de bois, visser, c'est amplement suffisant. Vous pouvez voir que la draisienne, je les ai fait que avec ces serre-joints-là, et que de toute manière, j'ai que ces serre-joints-là. J'en ai trois, j'en ai... Les seuls serre-joints que j'ai, c'est j'en ai 5 comme ceci et j'en ai 2 comme ça. Voilà, c'est les seuls serre-joints que j'ai et que j'utilise. Bien sûr, pour aller plus loin dans mes projets et dans les futurs projets qui arrivent, je vais investir dans d'autres serre-joints de plus grande taille, peut-être des dormants, pour pouvoir aller plus loin dans mes projets. C'est toujours pareil. C'est ça, là, ce que je vous montre, c'est bien pour un petit commencement ou pour faire du petit bricolage chez vous, tranquillement. Mais si vous êtes professionnel, oubliez tout de suite. Et si après vous voulez aller plus loin, tenir des plus gros bouts de bois, faire des plateaux, il va falloir malheureusement mettre la main dans la poche. Ça, c'est tout bête, c'est les mèches à bois. Vous pouvez voir que je les utilise assez souvent. Celle-là, elle est dans la visseuse à côté. La seule que j'ai cassée, c'est la toute petite. Mais la toute petite, je peux vous confier que peu importe les marques, même si elles sont bien plus chères, vous les cassez. J'en ai passé et passé et repassé des toutes petites mèches, des tout petits diamètres. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai en ma possession, vous le voyez pas là, mais il est là. J'ai gagné un coffret à un concours et où il y a des mèches de bonne qualité. C'est le jour et la nuit, il faut pas se leurrer, voilà. Avec ces mèches-là, je suis obligé de forcer pour percer. Je suis obligé donc de forcer sur ma visseuse, de forcer moi et de forcer sur les lames. Avec des mèches un peu plus chères, je force plus. Donc ma machine, elle force plus. Moi non plus, je force plus. Ça m'aide dans mes projets. Et ça, bien sûr, ça rallongera la vie de ma visseuse. Et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier ça, le rapport qualité-prix. Voilà, tu commences, t'as pas de gros budget. Je peux te conseiller de prendre ces mèches-là. Tu feras des trous avec. Il n'y a aucun problème. Les mèches à béton. Les mèches à béton, les mèches à béton. Alors celle-là, je ne l'ai plus parce que je l'ai prêté à un ami et en fait il a brûlé la mèche complètement alors que moi celle-là je les ai utilisées sans aucun problème. Après il les a utilisées d'une mauvaise manière, il n'a pas respecté la vibration, il a la puissance pour faire tourner, il a essayé de faire des trous dans du béton avec une visseuse sans choc, il a fait tourner la mèche, elle a chauffé, elle a brûlé tout simplement.
il aurait pu avoir des mèches comme celle-là, ça aurait été exactement pareil. À faire une petite parenthèse et à vous dire tout simplement, chaque matériel a son utilité. Tout simplement, si vous utilisez un matériel pas correctement, vous allez le casser. Peu importe le prix que vous mettrez dedans, peu importe la marque, si vous utilisez un matériel pas correctement, que ce soit dans sa façon de l'utiliser ou dans quoi elle sert réellement, vous allez la casser. Voilà, vous prenez des mèches à béton, vous essayez de faire un trou dans du métal, vous allez la brûler, tout simplement. Ça sert à rien. Vous prenez des mèches à bois, vous voulez faire un trou dans un mur, vous allez les casser tout simplement. Alors, celle-là, j'en suis plutôt content parce que le fer, je le travaille pas forcément. Et donc, du coup, j'en ai pas forcément l'utilité d'acheter un gros coffret de Parce que mèches. Je travaille pas beaucoup le métal pour l'instant, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je travaille pas beaucoup le métal. Donc, du coup, en fait, ça m'a arrangé d'avoir ce coffret métal. Pourquoi? Parce que vous avez vu, j'ai fait mon établi. Et donc, mes façades, c'est du métal. C'est tout, c'est du métal. C'est tout, c'est que du métal. Je sais pas si on va entendre. Voilà, c'est que du métal. Donc, j'ai dû rentrer des vis. J'ai dû les couper. J'ai dû les visser. Et donc, forcément, pour les fixer dans le mur, eh bien, il a bien fallu que je fasse des trous dans les panneaux pour pouvoir les fixer. Ça s'est très bien passé. J'ai fait mes trous. Mes panneaux sont là pour le prouver. J'ai aussi récupéré des grosses armoires. Et en fait, à l'intérieur, tout est riveté, que ce soit les étagères, les portes, ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai utilisé ces mèches pour enlever les rivets, enlever les étagères qui me dérangeaient ou les portes qui me dérangeaient. Et ça s'est très bien passé. Et je l'ai fait. Et j'en suis très content. Et sans ça, j'aurais pas pu le faire. Donc, du coup, soit. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que des fois, quand vous achetez du matériel, c'est tout simplement, il faut réfléchir à l'utilité que vous allez en avoir, à l'utilité et ce que vous voulez faire avec ce matériel. Voilà. Moi, les mèches en métal, du métal, j'en perce une fois peut-être ou deux, trois, quatre fois, on va dire, dans l'année. Donc, j'ai acheté ces mèches-là, elles ont fait leur taf. Sur l'année, je les ai rentabilisées. Et si elles cassent, tant pis, j'irai rechercher un autre jeu. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Quand c'est quelque chose que tu utilises tous les jours ou souvent, il vaut mieux aller dans la qualité. Parce que c'est quelque chose que tu vas vouloir que ça dure sur le temps. Donc, il vaut mieux aller dans la qualité, aller chez les marques et essayer de trouver aussi, même chez les marques, le matériel qui est approprié à la fonction que tu vas avoir ou que tu vas utiliser. C'est des fois un peu compliqué parce qu'il y a tellement de machines, tellement de références que des fois on hésite un peu, on ne sait pas trop. C'est du temps, il faut chercher et investir sur la bonne chose. Si vous investissez sur le bon outil au bon moment, vous pouvez le garder toute votre vie. À moins que, bien sûr, il y a toujours, j'ai envie de dire un peu comme moi, les poissards qui vont tomber sur le seul modèle qui a un souci et tous les 6 mois vous allez être au SAV. Ça peut arriver, c'est sûr, les marques, c'est pas non plus des dieux. C'est pas parce que vous avez acheté telle marque ou telle marque que ça y est, ça, vous allez le garder toute votre vie. Mais par contre, ce qui est sûr, peu importe la marque, si vous l'utilisez pas correctement, vous allez tuer vos machines, tout simplement, vos machines ou vos consommables, vos mèches, votre papier, plein de choses. Hop là. Alors j'ai pris ce jeu de lames. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pratiquement toutes les lames. Donc à part la peinture qui part, voilà, elles se cassent pas, elles font des coupes plutôt sympas. J'ai pu utiliser la métal. J'ai refait l'établi avec des baguettes en alu. J'ai coupé mes baguettes en alu avec ma petite scie sauteuse et mes lames. Et ben honnêtement, ça a fonctionné. Après c'est pareil. J'ai vu partout sur les pages et les groupes, elles se cassent, elles se cassent, elles se cassent. Et ben écoutez, moi ça fait plus d'un an que je les ai, j'en ai pas cassé une. Après, c'est tout simple. Si la scie sauteuse, tu forces dessus, parce que déjà, que tu as une scie sauteuse si tu es comme moi, tu as une scie sauteuse pas chère, tu as des lames pas chères, c'est pas toi, en appuyant sur ta scie sauteuse, que ça va couper mieux ou plus vite. Je te le dis tout de suite, tu vas forcer, soit tu vas casser ta lame, soit tu vas casser ta scie sauteuse, et après, tu vas mettre ça sur le dos de la scie sauteuse en lui disant, ouais, mais non, c'est une mauvaise qualité, au lieu de te remettre en question et te dire, ah ouais, non, j'ai peut-être trop forcé, c'est moi qui l'ai cassé. J'ai cassé aucune lame. Pourtant, j'ai fait du bois, j'ai fait du hêtre, j'ai fait plein d'essences avec ces lames et j'ai eu aucun souci. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Chaque outil a son utilité. C'est pas compliqué. Si tu prends ta lame à bois, que tu tombes sur un clou, ta lame elle va péter. C'est pas la faute de la lame qui est de mauvaise qualité, c'est la faute de toi. T'as essayé de couper un bout de métal avec une lame. Tu peux aller chercher des lames chez des pros. Tu peux essayer de couper des clous, ça marchera pas, tu vas aller tuer tes lames et tu vas tuer ta scie sauteuse. Tout ce qui est outil de coupe, donc ça veut dire tout ce qui est utilisé avec une lame, que ce soit une scie à ruban, que ce soit une scie sous table, que ce soit
une disqueuse, que ce soit tout ce qui est pour découper déjà, il faut laisser travailler la lame et pas forcer dessus. Si vous forcez dessus, vous allez, ça va bloquer, ça va chauffer, ça va casser et c'est dangereux pour vous, tout simplement. Alors, pour l'instant, ce que j'ai trouvé le plus sympa chez Action, j'en prends tout le temps des boîtes et des boîtes, voilà, c'est les vis Fisher. Alors, personnellement, je vais vous donner mon compte rendu par rapport à ces vis-là. Donc après, j'ai utilisé que les vis de chez Action. Je ne sais pas, parce qu'ils en vendent ailleurs, ils en vendent sur Internet, ils ont des magasins, ils sont dans les magasins de bricolage. Moi, j'ai utilisé les vis Fisher qui ne sont que chez Action. Dans les boîtes, il y a certains vis qui ont des malfaçons, qui ont des résidus. Alors, est-ce que c'est le bas de gamme? Parce que c'est vraiment pas cher, hein. Vous êtes à 2 euros la boîte, donc c'est vraiment pas cher. Est-ce que c'est le bas de gamme de la visserie chez Fisher? Ou est-ce que c'est les vis Fisher qui sont comme ça? Ça m'étonnerait. Donc, je les trouve très sympas. En plus, j'aime bien les boîtes comme ça, qui sont comme ça. Au moins, hop, 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 et je les arrange avec leurs collègues. Et au moins, ça a portée de main pour moi, pour travailler. Ils sont très sympas comme vis. Après, personnellement, je préfère d'autres marques en niveau visserie. Donc, une marque avec un W et une marque qui commence par un S et qui finit par un X. Je trouve qu'en visserie, c'est vraiment le top. Après, c'est pareil. C'est des vis. Vous pouvez faire des projets avec. Vous achetez une boîte de vis, vous achetez une petite scie sauteuse, vous trouvez quatre palettes, vous pouvez vous faire une chaise, un tabouret, un banc, peu importe ce que vous avez envie. C'est amplement suffisant et il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tout simplement. Mon ami du moment, comme vous pouvez le voir, donc c'est le disque à lamelles de chez Action. Ils sont vendus par deux à moins de 3 euros. Je vais vous donner mon avis parce qu'en fait j'ai utilisé trois types de disques à lamelles. Un disque à lamelles de la marque B et un disque à lamelles de la marque N. Je me suis dit, bon, ben on va voir ça au prix que ça coûte. C'est même pas 3 euros les deux. Donc je me suis dit, au prix que ça coûte, on va les essayer. Et bien tout simplement, je vais vous dire une chose un peu bizarre, mais je les aime beaucoup. Pas par rapport à leur qualité, mais justement, c'est ce qui fait leur qualité. En fait, avec les marques B et la marque N, quand tu utilises le disque à lamelles, si tu te loupes un peu sur l'inclinaison de ta lame, tout simplement tu vas faire un trou dans le bois. Directement, tu vas faire un trou en bois. Ils sont tellement bons, ce sont de tellement bons abrasifs que tu peux creuser dans le bois, limite sculpter dans le bois. C'est pas fait pour. Mais la marque B et la marque N, surtout ceux de la marque N, parce que pour moi, c'est les plus hauts au niveau de l'abrasif, mais tu fais un trou directement dans le bois, et donc du coup, c'est compliqué quand tu n'es pas, on va dire, sûr de ta main, comme moi, et du coup, tu fais un trou au milieu d'un plateau, tu es dégoûté, il faut que tu recommences le ponçage, le dégauchissage, le rabotage, il faut que tu recommences tout parce que trop tard, t'as troué. Ce qui est bien avec eux, eh ben, c'est que du coup, limite, en fait, je les utilise pour poncer, pour casser des arrondis, pour casser des arêtes, pour faire des arrondis. J'ai utilisé le premier disque pour ma table à pique-nique et pour la draisienne, et j'en suis content parce que j'ai pu faire ce que je voulais avec sans creuser le bois. Donc j'ai cassé toutes mes arêtes parce que c'est des objets pour les enfants et je voulais un maximum de sécurité. Donc j'ai cassé toutes les arêtes des objets et honnêtement, ça a fait le taf et ça a fait les arrondis. Et donc j'ai utilisé pour deux projets et le disque, il n'est pas mort, je l'utiliserai sûrement pour un troisième projet. Donc je pense qu'à ce prix-là, on ne peut pas demander plus. On peut même être content de trouver cet objet, enfin cet outil, à ce prix-là. Ça, ce sont des boîtes de rangement. Avec des. Voilà, vous pouvez les changer, les enlever, les mettre où vous voulez un grand espace, petit espace. Et donc, du coup, c'est un peu mes boîtes à fourre-tout. Lorsque je démonte quelque chose, je la mets à côté. Et hop, et si je dois me déplacer chez quelqu'un, que je sais que j'ai quelque chose à faire, je vais l'utiliser, je vais mettre ma quincaillerie dessus, mes vis, et je vais l'amener. Elle est très solide parce que en refaisant l'établi, j'ai marché dessus carrément, et elle n'est toujours pas cassée. Donc du coup, j'en suis très content. Et là, je vous montre ma trousse de secours. C'est-à-dire, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu as acheté ça? Je vais vous répondre tout de suite. Déjà, parce que ça coûte moins de 20 euros, pour commencer. Deuxièmement, parce que tous mes outils, ou la plupart de mes outils, sont soit accrochés dans l'atelier, soit dans des tiroirs, soit dans des caisses. Ça fait que dès que je devais me déplacer, entre guillemets, chez quelqu'un,
Il fallait que je cherche dans les caisses, dans les tiroirs, que j'aille chez la personne, et que d'un coup, après, quand je rentrais, tout remettre, tout ranger. Et du coup, ça me dérangeait un peu. J'aime bien que mes outils soient là et qu'ils ne bougent pas. Donc, du coup, vous pouvez voir, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Parce que ça va là. Il y a tout ce qu'il faut dans cette mallette. C'est-à-dire, vous avez une petite scie pour du métal ou du PVC, même un petit bout de bois, une clé à molette, un niveau magnétique, des vis de précision, des tournevis de précision, des tournevis normales, quelques douilles, une clé pour les serrer, des clés Allen, des lames, un marteau, des embouts, une clé à crocodile, une pince à couper et un mètre. Alors, avec ce cutter, j'ai coupé du carton, du lino. Du carton, du lino et des sangles de palette. C'est fourni avec un paquet de lames en plus. Donc pour le prix, déjà, on va pas loin. Le marteau, j'utilise beaucoup, même en extérieur, il reste dehors. Et je l'aime beaucoup. Alors vous pouvez voir, il y a des finitions médiocres. Hein, on voit la colle qui dépasse. Enfin, c'est pas le top. Mais tout simplement, ce marteau-là, en fait, on revient à ce que je vous disais. Un marteau, donc celui-ci, il sert à quoi? Enfoncer des clous. Et de l'autre côté, les arracher. On est d'accord? Enfoncer des clous avec un caillou, tu peux le faire. Donc peu importe la qualité du marteau, tu l'enfonceras ton clou si tu le mets bien droit. Si voilà, tu l'enfonceras ton clou. Et pour l'enlever, c'est pareil, tu pourras l'enlever. Il n'y a aucun souci. Après, c'est un marteau de petite taille. Si tu as des clous de sang, viens pas essayer de l'arracher avec ça. Tu vas casser ton marteau et puis tu vas te faire mal au dos, puis tu vas te faire mal tout court. Mais si. Parce que j'ai entendu que le manche il se cassait, ainsi de suite. Si tu l'as mis entre deux cardans d'une voiture et que tu as fait comme ça pour enlever le cardan ou que tu as tapé dessus pour sortir un moyeu, il faut pas s'étonner qu'il soit cassé. Ça, il faut pas rêver, les gars. Il faut pas rêver, c'est pas tu vas à Action, tu achètes un truc à 15 balles, tu vas arracher des voitures avec ton marteau. Non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Ça sert à planter des clous et à les enlever. Ça sert pas à grand chose de plus. Et donc, du coup, eh ben, avec cette mallette-là, tout simplement, j'ai eu une amie qui devait enlever sa cuisine. Enfin, en fait, j'ai eu une amie qui a acheté une nouvelle cuisine. Elle devait enlever l'ancienne cuisine pour faire venir la nouvelle. L'installateur de la cuisine lui prenait 700 euros pour enlever l'ancienne. Écoutez bien, je ne sais pas si c'était un arnaqueur ou pas, je ne suis pas là-dedans, mais c'est ce qui était demandé sur le devis. 700 euros pour enlever la cuisine et évacuer les déchets. Moi, personnellement, donc elle m'a demandé, j'ai dit, écoutez, il n'y a aucun souci, je peux vous les enlever, et les meubles de cuisine, maintenant, ils sont ici. Donc voilà, on a eu un échange de procédés, j'ai dit, ben moi, je vous la démonte, et je récupère les meubles, moi, pour les mettre dans mon garage, hop, aucun souci. Donc du coup, j'y suis allé avec cette mallette, j'y suis allé avec ma visseuse, et j'y suis allé avec mes ciseaux à bois. Voilà. Avec cette mallette, ma visseuse, et les ciseaux à bois, j'ai démonté sa cuisine, et donc du coup, elle a fait, elle, une économie de 700 euros. Et pourtant, ça n'a rien été de pratique. Après, si j'aurais voulu prendre mon matériel, minimum, je prends 5 caisses. Là, j'ai pris ça a été tout simple, ça a été assez rapide. J'ai eu la clé à molette, la pince crocodile pour dévisser l'arrivée d'eau, l'évier. J'ai utilisé ma visseuse avec des embouts pour dévisser les placards. J'ai utilisé le marteau à certains endroits parce qu'il y avait des choses collées. J'ai utilisé mes couteaux pour enlever justement le dos des murs, des caissons parce qu'ils étaient collés au mur directement. Ça s'est très bien passé. En 1 heure, j'avais tout fait. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir à l'utilité du matériel. Et de ce que vous allez faire. Si vous êtes professionnel, oubliez ce genre de boîte, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Si demain vous voulez vous lancer, par exemple, dans la mécanique, n'achetez pas ce genre de douille et ainsi de suite. Il y a des marques que j'aime beaucoup, qui commencent par un F, qui pour la mécanique, pour les douilles et ainsi de suite, sont bien plus performants et résistants à ce genre. Un petit dernier, hop là. Un petit coucou à Julien de Récup Project. Tout simplement, c'est une boîte en bout. C'est une boîte en bout que j'ai acheté là-bas. Alors d'entrée, dès que je l'ai acheté, déjà le support du porte-en-bout, il était cassé. Déjà, pour commencer. Et le porte-en-bout, il a cassé au bout de 5 utilisations peut-être. Par contre, les embouts, ils sont toujours là. Voilà. Et pourquoi ça m'a servi? Parce que, en fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai récupéré des vis. Hop, vous pouvez voir. Voilà, c'est des beaux vis. Donc j'ai récupéré, enfin voilà, c'est des vis quoi. Donc j'ai récupéré ces vis-là et il me fallait des embouts. Donc l'embout il est dehors de celui-là. Et
Il me fallait un peu des embouts spéciaux, donc du coup, pour faire la cabane à mon fils, pour rentrer ce genre de vis-là. Donc du coup, je suis parti à ch chercher une boîte à embouts, donc je suis parti prendre cette boîte à embouts. Honnêtement, je l'utilise depuis un moment et j'ai aucun souci avec. J'ai aucun souci avec. Après, vous pouvez voir, par exemple, celui-là d'embout, il est mort. Voilà. Celui-là d'embout, il va pas bien. Voilà. Faut pas rêver non plus. Voilà. Mais j'appelle ça, comment dire? C'est une boîte d'embout, il y a tout dedans. Il y a laine, torx, même carré. Donc, c'est des embouts que j'utilise pas tous les jours. Ça veut dire que peut-être le vis carré, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais utilisé. Par exemple, avec un carré, tout simplement. Des vis à laine, j'en utilise très rarement. Des vis torx, je vous en parle encore moins. Donc, j'utilise principalement que des embouts cruciforme ou plat. Donc du coup, il me fallait une boîte Même pas avec 3 certains euros. embouts. Ça veut dire quoi? Comment je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser une fois que tous les embouts seront morts, j'irai racheter une autre boîte et je vais pas m'embêter. Demain, tu es plaquiste et tu visses toute la journée, ne prends pas des embouts à action. Je te le dis tout de suite. C'est toujours pareil. Si tu es professionnel, ne joue pas. Prends du bon matériel, fais du bon travail pour tes clients, s'il te plaît. Prends du bon matériel et fais du bon boulot. Parce que quand toi, tu fais du mauvais boulot, ben c'est tous les artisans autour qui payent la facture. Parce que après les gens, ils n'ont plus confiance aux artisans. Et donc, du coup, après, les artisans meurent tout simplement parce que tu n'as pas été professionnel. Tu t'es dit professionnel, mais tu n'as pas été professionnel. Il ne faut pas oublier que ce genre de matériel est adressé aux bricoleurs lambda, aux bricoleurs du dimanche, à toi, à moi, qui font des petits projets dans leur maison. Ce n'est pas fait pour travailler intensivement tous les jours pendant des heures entières. De temps en temps, tu vas tomber sur un vis, tu seras content d'avoir ce porte-embout avec tous les embouts qu'il te faut, peu importe le vis sur lequel tu vas tomber. C'est que c'est juste ça à quoi ça sert. Alors, ça, j'ai ça, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore testé. Si ce genre de vidéo ça t'a plu, ben, je t'invite à t'abonner pour voir les prochaines et me le dire en commentaire. Comme ça, je testerai d'autres produits. On va rester d'autres produits de chez Action ou de chez Lidl ou de, enfin, voilà, de magasins qui font un peu d'outillage comme ça, low cost, parce que ça coûte pas cher et ça me dérange pas de les essayer. Par contre, quand je ferai un test, ça veut dire que la chose, je l'aurai utilisée pendant au moins 6 mois. Voilà. Au moins 6 mois parce que j'ai pas envie de te dire, ouais, c'est super, tu vas l'acheter et puis tu. Non. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de te dire, j'ai essayé. Ah, fais pas ci, ah, fais pas ça. Tu veux faire ça avec, c'est bon, ça passe, mais ça ne le fait pas. Voilà. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est des produits que j'utilise, que je vous présente rapidement. Je peux te conseiller parce que je les ai utilisés, parce que ça fait au moins un an que je les utilise. Après, s'il y a de nouvelles machines ou de nouveaux objets, j'ai envie de dire, si. Je ne les ai pas utilisés moi pendant 6 mois, ou si je fais une présentation avec toi, eh bien, tout simplement, on les essayera ensemble, en direct et en condition. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo de la scie à ongles, je ne l'avais pas utilisée beaucoup avant, mais je l'avais quand même utilisée au préalable. Quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai pris plusieurs bois, plusieurs tailles, plusieurs essences, et je t'ai montré ce que tu pouvais faire avec la machine. Je pense que tout le long de ça, sur la chaîne, ça sera tout le temps comme ça. Avant de vous présenter quelque chose, je l'essaye déjà et après je vous le présente. Comme ça, au moins, je suis totalement transparent et apte à répondre aux questions qu'il peut avoir dans les commentaires. Et aussi, je peux aussi te dire ce que je pense réellement de l'outil. Parce que si on te donne un outil mais qu'on ne l'utilise pas, ça sert strictement à rien. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que les vidéos seront bonnes. À la prochaine et on n'oublie pas, on fait de la récup.